On compte, tiens, mais bon, ils ont tous 6 minutes, hein. On commence par la jeunesse. Allez, Tom. Tom Chevalier, qui lui a réalisé sa thèse avec le soutien financier glorieux de l'EN3S, donc chercheur en sciences politiques, et qui a réalisé un travail de comparaison internationale sur les modèles de protection sociale face à la question de cette jeunesse qui s'étend. Et je vais donc proposer d'avoir 10 minutes pour, lorsque l'on parle d'avenir, évoquer le sujet des jeunes. Merci Julien. Merci Julien, merci pour l'invitation. Donc, je travaille effectivement sur les jeunes et la protection sociale. Donc, je suis plutôt spécialisé en théorie sur les politiques publiques en direction des jeunes en Europe et la façon dont elles peuvent permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie. Donc ça concerne notamment la protection sociale mais aussi les politiques d'éducation. Mais je vais plutôt parler aujourd'hui des attitudes des jeunes à la protection sociale, donc le rapport qu'ils ont, qu'ils entretiennent à la protection sociale et qu'est-ce que ça peut nous dire sur la protection sociale de demain. Donc déjà l'enjeu de la confiance, donc la table ronde était axée sur cet enjeu de la confiance. L'enjeu de la confiance est quelque chose de très important, notamment pour les jeunes, puisque qui dit confiance dit pouvoir comprendre ce que ça signifie la légitimité d'une politique publique, d'une institution, et qui parle donc de confiance et de légitimité permet de prendre en compte la temporalité d'une institution sur le temps long, et notamment son enjeu de soutenabilité sur le temps long. Et regarder la confiance des jeunes en particulier, c'est d'autant plus important puisque les jeunes sont, comme un ouvrage récent les appelle, les citoyens qui viennent, les citoyens de demain. Et donc regarder à la fois la confiance et la confiance des jeunes, c'est vraiment plonger notre regard dans l'avenir des institutions. Donc tout d'abord, dans mon travail, j'ai montré que la citoyenneté sociale, la protection sociale en France était fortement familialisée pour les jeunes, c'est-à-dire que en gros, en France et donc dans beaucoup de pays européens continentaux, les jeunes sont plutôt considérés comme des enfants, et donc on a une forte familiarisation de la protection sociale avec, par exemple, des âges limites pour accéder aux prestations relativement élevées. Le symbole en France serait donc la limite d'âge à 25 ans pour le RSA, avec le fait que donc c'est d'abord à la famille de prendre en charge leurs grands-enfants, et donc un statut d'enfant à charge dans la protection sociale, et non pas un statut d'allocataire d'ayant droit pouvant accéder aux prestations en leur nom propre. Et c'est ce que j'ai appelé donc la citoyenneté refusée des jeunes. Et cette citoyenneté refusée, donc si on regarde un petit peu donc les attitudes des jeunes, elle est perçue. D'abord, c'est le premier point. Elle est perçue par les jeunes, comme on le voit sur le graphique. Donc à gauche, c'est donc les jeunes de moins de 25 ans. Et on voit que la solidarité, c'est d'abord l'affaire des individus et de la famille. C'est la ligne jaune pour les jeunes de moins de 25 ans. Ce qui change dès qu'on passe au-dessus de 25 ans, puisque, comme je l'ai dit, l'âge de majorité sociale est autour de 25 ans. Donc c'est à partir de ce moment-là où on peut percevoir l'État comme devant prendre en charge la solidarité. Donc cette citoyenneté refusée pour les jeunes, c'est d'abord une citoyenneté refusée perçue. Les jeunes en ont conscience. Mais elle est aussi en partie condamnée. Elle ne répond pas à la demande des jeunes en matière de protection sociale. Sur le graphique de gauche, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, donc la tranche d'âge en dessous de 29 ans, est davantage en demande d'intervention de l'État en matière économico-sociale par rapport aux autres tranches d'âge. C'est un fait qui les caractérise. Et ce qui se traduit, par exemple, pour le système des retraites, donc là, c'est des données un petit peu plus vieilles. Le tableau à droite, c'est des données de 2008, donc ça date un petit peu désormais, mais une enquête internationale avait montré qu'en France, on trouvait au sein de la tranche d'âge des jeunes donc des niveaux très bas de volonté des jeunes de payer les impôts nécessaires pour verser les retraites des générations plus âgées. Donc en fait, le fait d'être insatisfait de la protection sociale à l'égard des jeunes débouchait ensuite sur des problèmes plutôt fort, potentiellement, sur la soutenabilité du système de retraite, notamment dans la mesure où, comme on l'a mentionné aujourd'hui, le système des retraites est fondé sur de la solidarité entre les générations. Et enfin... Sur ton tableau, parce que oui. Je ne sais pas si on pouvait le lire de loin. Il est difficilement lisible. Hein. Oui. Sur le devant, il y arrive, mais derrière. Donc la France est située en dernier, et il n'y a que 11%. Donc des jeunes qui se prononcent comme étant prêts à payer les retraites
des générations plus âgées. Donc 11, on se retrouve au Danemark, donc la Chine c'est à 63%, mais le Danemark, pour un pays européen, on se retrouve à 35%, donc pratiquement 3 fois plus. Et ceci a des effets plus généraux, politiques, très importants. Dans un travail récent, j'ai montré qu'en fait l'action publique avait une importance sur les niveaux de confiance politique. Donc on parle beaucoup de confiance et de comment booster la confiance dans les individus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'état de l'action publique et la façon dont sont structurées les institutions ont un effet sur les niveaux de confiance de la population et notamment des jeunes. Et ce que j'ai pu voir dans ce travail, en comparaison internationale, c'est que plus on avait une individualisation de la citoyenneté sociale, et plus les niveaux de confiance politique des jeunes étaient importants. Confiance politique comprise comme la confiance dans les institutions, dans le personnel politique, le gouvernement, le Parlement. Donc c'est un graphique sur les niveaux de confiance dans le Parlement, et on voit que donc, la France est sur la partie gauche du graphique, donc avec un ensemble de pays plutôt continentaux avec une citoyenneté sociale plutôt familialisée. Une fois qu'on dit, d'accord, donc l'individualisation, ce serait plutôt la voie pour développer la confiance des jeunes, là se pose la question, quelle forme d'individualisation ? Et ce qu'on voit, c'est une espèce de tension entre deux formes d'individualisation pour les jeunes. D'un côté, les jeunes de moins de 30 ans, sont systématiquement plus en faveur du ciblage des prestations. Donc ce qu'on voit sur le graphique ici, que ce soit les allocations chômage, les allocations familiales, pensions de retraite, prestations maladie, les jeunes sont systématiquement plus en faveur du ciblage de ces prestations, ciblage en direction des plus démunis. Mais dans le même temps, c'est plus compliqué que ça, dans le même temps, ce qu'on voit, c'est également un soutien plus systématique des jeunes en faveur du revenu universel. Donc ce qui pourrait paraître en tension, en opposition avec cette idée de ciblage. Ce qu'on voit donc sur le graphique de gauche, les barres bleu foncé, c'est la tranche d'âge des 15-34 ans, donc plutôt les jeunes. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays considérés en Europe, ils sont systématiquement plus en faveur du revenu universel. Seulement, quand on parle de revenu universel, il y a plusieurs exceptions. Ça a été mentionné tout à l'heure, il y a plutôt l'exception très libérale, voire libertarienne, qu'on peut trouver, mais aussi la version plus libertaire, plus marquée à gauche. Dans le baromètre de l'adresse de 2016, il y a la distinction entre ces deux revenus universels potentiels. Et là, donc, ce qu'on voit, si on compare les tranches d'âge des moins de 30 ans et les plus de 30 ans, c'est qu'en réalité, le soutien plus important chez les jeunes du revenu universel se joue sur le revenu universel inconditionnel, donc qui ne redépend pas du revenu des individus, contrairement au revenu universel ciblé, donc qui dépendrait du revenu des individus. Donc là, le revenu universel inconditionnel, c'est la barre de bleu foncé sur la gauche, vous voyez qu'elle est plus importante pour les moins de 30 ans, et c'est cet aspect qui fait que les jeunes sont davantage en faveur du revenu universel. Donc là, on se retrouve face à une tension entre plus de ciblage et plus d'inconditionnel. En réalité, ce qu'il faut voir pour comprendre, pour résoudre cette apparente tension, voire contradiction, c'est que ce ne sont pas les mêmes jeunes qui sont grosso modo en faveur de ces dispositifs. Lorsqu'on parle de ciblage, ce sont les jeunes les plus diplômés qui sont en faveur du ciblage, alors que quand on parle du revenu universel inconditionnel, ce sont davantage les jeunes en difficulté, avec des niveaux de revenus plus bas, les jeunes NEET, les jeunes en situation de vulnérabilité. Ensuite, quid de l'investissement social ? Car si on parle du futur, on parle aussi donc de ce nouveau type de politique sociale que représente donc l'investissement social. Investissement social, c'est-à-dire politique d'éducation, politique de formation professionnelle au sein de la politique de l'emploi, conciliation de la vie familiale, vie professionnelle, notamment. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont systématiquement plus en faveur de ce type de politique, tout simplement parce que, au vu de leur situation dans leur cycle de vie, ils accèdent plus facilement à ce type de prestations, à la fois dans le système éducatif, politique d'éducation, mais aussi sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle, puisqu'ils commencent à faire des enfants, à se mettre en couple, se marier, etc. En retour, là encore, les politiques structurent les niveaux de confiance politique. Et ce que j'ai pu voir dans mes travaux récents, c'est que les politiques d'investissement social, là aussi, augmentent les niveaux de confiance politique des jeunes. Toutefois, même s'ils augmentent les niveaux moyens de confiance politique des jeunes,
ils réduisent les niveaux de politique, de confiance politique des jeunes les plus en difficulté, les jeunes NEET. Donc là, on a une tension en matière d'effet sur la confiance politique des politiques d'investissement social à garder en tête, alors même que donc, ces jeunes NEET sont précisément ceux qui sont le plus en faveur du revenu universel inconditionnel. Qu'est-ce que ça nous dit sur la protection, sur une protection sociale de confiance demain, notamment pour les jeunes? Donc, à la lumière de ce que je viens de dire, et je vais finir rapidement, il y a quatre piliers donc, à avoir en tête. D'une part, l'individualisation, qui pourrait permettre donc, de répondre à la demande de protection sociale des jeunes et de renforcer leur confiance politique. Mais cette individualisation doit essayer de concilier deux exigences en tension, à la fois donc, un revenu inconditionnel et un ciblage des prestations. Et enfin, quatrième pilier, un tournant vers l'investissement social de la protection sociale. Comment concilier ces quatre exigences? En y réfléchissant, une piste pourrait être un droit, ça renverrait à cette idée de inconditionnel, un droit individualisé, individualisation, de tirage formation, ça renverrait à l'investissement social, adapté au niveau de formation, donc là ça renverrait à cette idée de ciblage, non pas tant le ciblage en fonction du niveau de revenu, mais le ciblage en fonction du niveau de formation, puisque c'est absolument central pour accéder à l'emploi, assorti d'une allocation, avec cette idée d'importance d'avoir un soutien au revenu pour les jeunes malgré tout. Voilà, ça pourrait être une politique sociale autour de laquelle on pourrait penser une confiance plus importante des jeunes en faveur de la protection sociale. Et pour finir, juste en termes de réformes plus concrètes pour la France, ça c'était les principes, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête si on veut penser donc la protection sociale de demain pour la jeunesse. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il faudrait, l'enjeu pour y arriver, c'est l'intégration des dispositifs actuels. À l'heure actuelle, donc, on a la coexistence notamment de quatre dispositifs, si on réfléchit à cette idée de droit de tirage. On a la garantie jeune qui monte en force, on a le RSA avec la limite d'âge à 25 ans mais avec la réflexion sur le revenu universel d'activité, on a le compte personnel d'activité qui a été mis en place, et on a enfin les bourses du système, les bourses pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Et je finis juste par souligner donc cet enjeu des bourses, puisque l'éléphant dans la pièce, la chose qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on rentre dans cet enjeu à partir de l'axe de la protection sociale, c'est l'importance du système éducatif. Si on pense la protection sociale comme un enjeu aussi donc d'autonomisation, de renforcement de la confiance, etc., c'est penser sa coordination avec le système éducatif, et notamment quand on parle de droit de tirage de formation, l'enjeu très important à cet égard, c'est comment penser la coordination entre le système de protection sociale et le système éducatif. Les bourses en sont le symbole, puisque je le place ici dans les dispositifs de protection sociale, alors qu'elles font partie plutôt de la politique d'éducation. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Parce que ça tient en quatre mots, la dotation en capital avec trois points d'exclamation, au moment où tu évoques le rapprochement, la fusion, l'intégration de différents services. Que penses-tu de cette idée qui se diffuse, qu'on trouve dans une formulation plus récente chez Thomas Piketty, à 25 ans, 120 000 euros, proposée à toutes les personnes qui vivraient en France, seules assises sur la taxation du patrimoine? Au-delà de cet exemple récent, c'est une idée qui progresse. Alors, merci pour cette question. Tu connais bien cet enjeu de dotation en capital. Ils m'ont mis des points d'exclamation. Alors, de mon point de vue, la dotation en capital, elle oublie quelque chose qui est l'importance de la formation, puisque quand elle a été imaginée, la dotation en capital, notamment dans son application en Angleterre avec le Shared Trust Fund, c'était l'idée de, on donne une dotation, donc une somme à l'entrée dans la vie adulte pour les individus, ensuite ils en font ce qu'ils veulent. Ça oublie selon moi l'enjeu que pour avoir l'accès à l'emploi, à un emploi de qualité ensuite, et donc une autonomie sur l'ensemble du cycle de vie, c'est plus efficace
Et ça a un effet de levier plus fort sur le cycle de vie d'autonomisation si on conditionne le revenu au suivi d'une formation afin de monter en compétences. Ce serait le premier élément. Deuxième élément, si on parle de Piketty, certes, il mentionne donc cette idée de dotation en capital financée par une taxation redistributive à 25 ans, mais c'est pas à la place d'un droit de tirage formation. En fait, dans ses propositions, il distingue bien l'importance d'une espèce d'allocation d'autonomie, de droit de tirage formation pour justement promouvoir la formation des individus. Il distingue ça de la dotation en capital. La dotation en capital, c'est vraiment un effet de redistribution plus que d'incitation à la formation. Voilà, c'est deux enjeux différents dans son travail. Autre question qui est arrivée au moment où il y avait la présentation des sondages d'opinion, est-ce que les vieux sont moins généreux? Alors, ça peut vouloir dire, est-ce que les jeunes sont plus généreux? Alors, ça dépend de quelle générosité, j'aurais tendance à dire. Parce que ce qu'on voit, en fait, sur les enjeux d'attitude à l'égard de la protection sociale, tout dépend, en fait, de comment on pourrait, du coup, définir, et donc, la générosité, et quels indicateurs prendre. Par exemple, si on prend le soutien à la redistribution, donc c'est quelque chose qui est assez commun dans les études internationales pour mesurer le soutien à l'État-providence. Donc est-ce que vous êtes pour le gouvernement, est-ce que le gouvernement devrait réduire les inégalités de revenus? Ce qu'on voit, c'est que plus les personnes sont âgées et plus ils sont en faveur de ce type d'affirmation. Voilà, donc c'est un effet très faible, mais on a la plupart du temps donc, un effet qui fait que donc, les plus âgés sont en faveur de ce type de questions. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un type de question bien particulier. Souvent, quand on pose ce type de question-là, c'est un type de question qui prend en compte, en fin de compte, comme on passe par la notion de redistribution, on prend en compte les taxes, donc le fait de payer des impôts, et on pense à l'État-providence globalement, c'est-à-dire on pense à la santé et au système de retraite. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui touche en premier lieu les plus âgés. Lorsqu'on change les types de questions posées pour les jeunes, c'est-à-dire si on utilise des questions plus centrées sur les plus démunis, l'aide à la pauvreté, etc., cet effet disparaît. Et on ne retrouve aucune différence entre les jeunes et les plus âgés, par exemple, sur ce type de questions-là. Les questions où les jeunes sont systématiquement plus en faveur des politiques, c'est celle donc que j'ai mentionnée, c'est-à-dire politique d'investissement social et revenu universel.